Sœur Françoise connaît bien les hospitalières du Nouveau-Brunswick. Peu de gens savent qu'en 1960, les sœurs y dirigeaient toujours une léproserie. La communauté de Tracadie a été témoin de bien des parcours de vie, mais celui que Sœur Françoise m'a raconté est véritablement exceptionnel. Mon nom est Micheline Nangteau, je suis comédienne. J'étais impatiente de prêter ma voix à Sœur Françoise pour vous raconter son histoire. L'aventure de Gloria débute à Rio en 1960. C'est là qu'elle fait la rencontre de Tom. Lui est ingénieur canadien, tandis que Gloria est une fonctionnaire du gouvernement brésilien. Dès la première rencontre, c'est le coup de foudre. Un an plus tard, Gloria est enceinte et le jeune couple vient s'installer à Toronto pour se marier et fonder une famille. Les jeunes mariés vivent le parfait bonheur. Toutefois, lors d'un examen de routine chez le médecin, Gloria se plaint de picotements à son avant-bras. On lui fait aussitôt une prise de sang. Il faut dire qu'en 1960, les autorités sanitaires sont sévères en ce qui concerne les immigrés. Malheureusement, Gloria a la lèpre. Qu'elle soit enceinte ou pas n'y change rien. Les autorités l'obligent à quitter Toronto et du jour au lendemain, Gloria se retrouve à la léproserie du Nouveau-Brunswick, la seule destination possible pour les lépreux du Canada. Et c'est comme ça que Gloria arrive à l'hôpital de Tracadie. Elle est terrifiée. Elle regarde les hospitalières avec des yeux ronds comme des billes et elle ne sait pas si elle se trouve dans un hôpital ou dans une prison. Un peu des deux, pour tout dire. Gloria téléphone à son mari tous les jours, mais ce n'est pas assez. La séparation est difficile à vivre. On essaie de la divertir, on prend des longues marches avec elle. Elle devient très amie avec Sœur Thomas. Parfois, celle-ci la fait rire en lui apprenant l'accent acadien. Lorsque Gloria accouche, c'est à Sœur Thomas que le docteur Vanier confie la garde du bébé. Le docteur est très strict là-dessus. Il n'est pas question que Gloria touche à sa fille. C'est un ordre. Jamais, même pas une seconde, car elle pourrait contaminer le bébé. Lorsque le bébé a 2 mois, la belle-sœur de Gloria vient le chercher pour le ramener chez son père à Toronto. Désormais loin de son bébé, Gloria devient inconsolable. Sœur Thomas fait son possible, mais... Un beau matin, le docteur Vanier annonce que le dernier test de Gloria est négatif. Mon Dieu, que les sœurs étaient heureuses! Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais le docteur est zélé et nous avise qu'il veut attendre encore 3 mois et que Gloria devra repasser le test. Les hospitalières ont plus de 100 ans d'expérience. Elles savent très bien que Gloria est guérie. L'acharnement du docteur Vanier dépasse les bornes et les sœurs se réunissent en secret. Elles préparent l'évasion de Gloria. Peut-on le croire? Le beau-frère de Sœur Thomas fait partie de la combine. Personne ne peut le soupçonner, il vient souvent voir sa sœur religieuse. Alors un soir, comme dans un film policier, il se stationne juste devant la porte de côté et ouvre la portière arrière de la voiture. Sœur Thomas sort de l'hôpital et fait entrer rapidement Gloria dans la voiture. Elle l'allonge sur le plancher et la dissimule sous une couverture. Avant de fermer la portière, Sœur Thomas dit alors tout bas en anglais, « Gloria, everything's gonna be all right. Good luck! » «
À l'hôpital, les sœurs dissimulent la disparition de Gloria. Docteur Vanier s'aperçoit de son absence. Il alerte aussitôt les autorités sanitaires canadiennes, mais Gloria est déjà de retour à Toronto. Les agents de la santé publique la retrouvent à la maison avec son mari et sa petite-fille. La jeune maman passe d'autres tests, mais enfin, elle est officiellement guérie et libérée de son long cauchemar.